Jean-François Ndengue hors la loi, vidéo insoutenable. Vous avez certainement vu la vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant des policiers torturant des citoyens congolais sous le viaduc de Kintele. Comment une police républicaine peut-elle se permettre de perpétrer de telles atrocités, de telles horreurs, alors que les procédures édictées par les normes juridiques sont claires pour établir les infractions des délits ou des crimes? Torturé sous le viaduc de la honte, le viaduc de l'horreur. Pour des raisons de pudeur, nous avons refusé de diffuser en intégralité la vidéo. D'un autre côté, nous devrions prendre en compte les responsabilités. Qui est donc le supérieur hiérarchique de ces fameux policiers voyous? Quel est le champ d'application des responsabilités de leur hiérarchie? Mettre aux arrêts les policiers impliqués dans cette effroyable histoire ne résout en rien ou ne prend pas en compte les sanctions qui devraient être établies. Puisque le Congo est un non-État, plutôt une dictature, où règne la loi de la jungle. Jean-François Ndengue, patron de la police du Congo, devrait être entendu par la hiérarchie. Mais bon, rappelons que Jean-François Ndengue est l'un des cerveaux dans l'affaire des disparus du BIT. Ne dit-on pas que le poisson pourrit par la tête ?